السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناتكم التعليمية لو فرونسي افيك شرف الدين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نخصصه لإعطاء تصحيح تقريبي للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي المترشحون الرسميون دورة يوليوز 2022. الموضوع اللغة الفرنسية تعليم العام والأصيل. قبل من هذا الشيء ما تنساوش تشتركوا في القناة، وإلى مازال ما اشتركتوش اشتركوا هذا الفيديو، حاولوا تلايكوه بزاف باش ينتشر يعني على الجميع، باش تعم الفائدة للجميع إن شاء الله. وما تحاولوا ما تسرعوش الفيديو باش يكون عنده قيمة ويستفيد منه الجميع. إذن غادي نقراو هذا التكست، تكست دو باز. Je ne sais plus à quoi je pensais quand mon attention fut attirée par une jolie petite grenouille qui sautait au milieu du sentier et venait droit sur moi. Elle paraissait née de la nuit, tant elle était tendre, fraîche et tant ses couleurs étaient précieuses. Je la suivis avec des yeux émerveillés. Elle disparut au pied de ma cabane. J'allais me lever pour la prendre et m'amuser avec elle. Quand je me rappelais ce que disent les chasseurs brésiliens, quand tu vois une grenouille, le serpent n'est pas loin. Et en effet, un serpent gris-bleu pâle, de l'espèce la plus dangereuse, s'avançait sur le sentier. Il n'était pas pressé, ses anneaux se déroulaient l'un après l'autre. Il avait la tête haute, la langue menaçante. Quand il passa devant moi, je m'aperçus qu'il ne me voyait pas. Allait-il entrer? Tout à coup, je pâlis et j'eus la plus belle peur de ma vie. Quelque chose me touchait le pied. Que faire? Je ne bougeais pas. Je m'attendais à être mordu d'une seconde à l'autre. La chose me grattait la cheville. Alors, avec mille précautions, je baissais les yeux le long de mon corps. C'était cette ridicule petite grenouille qui m'avait causé une pareille panique. D'un saut, elle s'était installée sur mon soulier. Et maintenant, il essayait d'atteindre plus haut. Je la ramassai et la mis dans ma poche. Et dans la compréhension, nous continuons ce tableau. Nous avons un texte. Il y a l'auteur, il y a ce qu'on a le catib, Blaise Sandras. Le titre de l'œuvre, Roi à l'aventure, et d'Arnache, l'édition de Noël 1958. Alors, question 2, ce texte, est-ce qu'il est plutôt argumentatif, ou explicatif, narratif ou descriptif? Alors, il est narratif et descriptif. Pourquoi? Parce que le narrateur raconte et décrit en même temps. Alors, le narrateur s'aperçut que le serpent le voyait. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est faux. La justification, même texte. Quand il passa devant moi, je m'aperçus qu'il ne me voyait pas. Il y a une qui est. Donc c'est faux. Le narrateur s'aperçut que le serpent le voyait. C'est faux. Donc la justification, quand il passa devant moi, je m'aperçus qu'il ne me voyait pas. Il me cache qu'il souvenait. Alors le serpent s'avançait lentement. Justification. Donc la réponse c'est vrai. Justification, il n'était pas pressé. Le serpent, quelqu'un qui me cherchait, y allait. La justification, même texte. Il n'était pas pressé, il n'y avait pas de. Alors, quatrième question, qui lui grattait la cheville? Il y a des gens qui ont la cheville. C'était la grenouille qui lui grattait la cheville. Donc, il y a cinquièmement relevé du texte une phrase montrant que le narrateur a ressenti une grande peur. يعني خصنا نجبدوا واحد لا فراز من التكست اللي كتبين ان الناراتور حس بواحد الخوف شديد. كاين هنايا دو فراز سيتي سيت ريديكول بوتيت غرونوي غرونوي كي كاين حتى الاخر. ولا نديروا هاد لا فراز جو بالي اي جي يو لا بلو بيل بور دو ما في. الوغ سيزيام كيستيون، سي فوز ايتي على بلاص دو ناراتور، يعني كنتي في بلاصه ديال الناراتور، auriez-vous ressenti une grande peur? Et justifiez votre réponse. Alors, si j'étais l'imparfait,
qui atteigna le conditionnel. Si j'étais à la place du narrateur, je ressentirais une grande peur, car je n'aime pas les serpents, ils peuvent nous tuer. Alors, Mesba, langue et communication, il faut relever du texte deux mots appartenant au champ lexical du danger. Il est juste qu'elle y met le danger, le khatar. Qui est dangereuse, qui est menaçant. Panique, la peur, le khatar. Donc, qui est dangereuse ou qui est menaçant. Alors, dans l'énoncé suivant, la grenouille sautait au milieu du sentier et venait droit sur moi. Le coordonnant est, est-ce qu'il exprime le choix, l'addition ou la négation? Il exprime l'addition. L'addition, il y a deux actions, sauter et venir. Relier les propositions suivantes de manière à exprimer la cause. Le serpent était dangereux, je restais cloué dans ma place. Le serpent kan khater, après, je me suis mis en place de l'Ili. Je restais cloué dans ma place. Pourquoi? Parce que le serpent était dangereux. La conséquence avec si que. Si que qui exprime la conséquence, c'est dire la phrase bin had le l'adjectif. Les couleurs de la grenouille étaient si précieuses que je la suivais avec des yeux émerveillés. Naya écrivait correctement les verbes mis entre parenthèses en les soulignant, en les conjuguant. Alors Naya, le narrateur, le verbe admirer tranquillement la grenouille, soudain un serpent apparaître. C'est l'imparfait, c'est l'action qui dure dans le temps. Naya, soudain l'action brève, c'est pas si simple. Donc le narrateur admirait tranquillement la grenouille, soudain un serpent apparut, pas si simple. Alors, bien que le serpent être d'une espèce dangereuse, il avait des anneaux magnifiques. Nersemdo bien que, kandiro, tabaha, le subjonctif. Donc, être, sandiro, au subjonctif, bien que le serpent soit d'une espèce dangereuse, il avait des anneaux magnifiques. Alors, cinquième question, choisissez le moyen qui convient pour compléter l'énoncé suivant. De peur de, le de peur que, le pour. L'enfant restait immobile, de peur que, les nénènes, subjonctif, le serpent ne le morde. De peur que, plus subjonctif. Alors, bien sûr, la question de la situation de communication, le père donne une hypothèse pour expliquer comment le serpent est entré dans la cabane. La phrase qui correspond. La situation d'énonciation. Dans Kadangolo, le serpent serait entré dans la cabane en suivant la petite grenouille. Oula, le serpent aurait été entré. Oula, il chercherait peut-être de quoi manger. Le conditionnel, l'hypothèse, ou peut-être. B, même si le serpent était d'une espèce dangereuse, il me paraissait paisible, même s'il exprime la concession. Donc, la concession, c'est l'opposition. La production écrite, il y a deux sujets. Alors, lors d'un repas en famille, un animal s'est glissé sous la table et a effrayé votre petite sœur. L'animal, a rédigé en une douzaine de lignes, un texte dans lequel vous racontez les circonstances. Et dites comment vous avez réagi. Alors, un jour, quand nous avions des invités,
de notre famille et au moment où tout le monde était à table et mangeait en savourant un délicieux tagine. Soudain, une souris affamée, sortie de je ne sais où, s'est glissée sous la table. Ma sœur, qui avait peur des souris, a été très effrayée, tellement qu'elle a renversé son plat et a commencé à crier à tue-tête, à tue-tête, son visage était devenu tout rouge et ses membres tremblaient comme les plumes dans le vent. Mon grand frère a essayé de la calmer en jouant le héros. Il a réussi à l'attraper et même de la tuer et la jeter dans la poubelle. Moi, je suis resté cloué dans ma place avec une sueur froide. Enfin, ma sœur s'est calmée, mais elle tremblait toujours car elle avait horreur des souris. Les souris. Nous avons quand même terminé notre repas dans la joie et oublions ce qui s'est passé. Moi, j'ai repris mon souffle. Moi, j'ai repris mon souffle, j'ai été soulagé, j'ai réussi à cacher ma peur. J'ai réussi à cacher ma peur. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. ما تنسوش تلايكيو الفيديو بزاف باش ينتشر، باش تعمل فائدة للجميع وحظ سعيد للجميع.